Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui c'est mercredi, mais ce sont aussi les vacances. Alors on profite du soleil et des fruits de saison. Et chez nous ici en ce moment, ce sont les fruits du dragon qui sont à l'honneur. Alors j'en ai ici. La semaine dernière, regardez, il y en avait encore tout un tas sur le marché. Donc, alors évidemment, on les prend comme ceci. Moi, je les ouvre ainsi. On découvre ces jolis fruits gorgés de sucre. Et on les mange. C'est délicieux. On les mange donc nature. Mais quand il y en a trop, eh bien on essaie de trouver des recettes. Et avec ces fruits du dragon, outre de faire des salades de fruits, je vous en ai fait une autre recette spéciale pour cet été. On va la voir? Je prends donc mes fruits du dragon, ou pitaya bien sûr, que je vais couper en deux. Avec une grosse cuillère, je vais récupérer la chair que je vais mettre dans un plat. Avec une fourchette, j'écrase bien le tout et ensuite je vais le verser dans mon bac à glaçons et hop, au congélateur. Pour la suite, donc, on prend un robot ou si vous n'en avez pas, on peut prendre aussi un petit mixeur ou alors pourquoi pas le gros mixeur 3 en 1 de chez Lidl dont je vous avais fait une vidéo. Et puis, c'est parti. Je vais chercher mes glaçons. Les glaçons de fruits sont bien fermes. Je les verse dans la cuve de mon robot et je mets en route. Donc, robot ou mixeur donne un sorbet granité que vous allez voir absolument délicieux. Voilà, on peut s'arrêter là. Mais moi, ayant la chance d'avoir un robot, je positionne le fouet et je remets le tout en route. Et là, vous voyez, ça change de couleur. Et quand j'ouvre, j'ai un sorbet moelleux et aérien. C'est ce qui change du mixeur. J'avais prévu des pots à glace colorés et rigolos, mais on ne voyait rien. Donc j'ai changé de pot et puis j'ai pris un verre transparent. Comme ça, vous voyez bien la jolie couleur du sorbet. Et ensuite, c'est le moment d'aller les déguster. Alors, je vais me dépêcher parce qu'ici, il fait très chaud et ça a tendance à fondre. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais très bien que certains n'ont pas de fruits du dragon dans leur rayon ou chez eux en métropole. Vous pouvez très bien faire cette glace avec d'autres fruits de saison. À tout bientôt les amis. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de passer de très bonnes vacances.